Merci beaucoup pour la question. Je veux déjà vous rassurer pour avec la dernière question. Monsieur, nous ne jouons pas en football avec des complexes. Si vous jouez le football avec des complexes, alors il faut rester à la maison. Nous avons un joueur qui s'appelle Chancel Mbemba, qui vient de bloquer la septuplée Ballon d'Or. Ce n'est pas rien non plus. Donc si vous voulez avoir des complexes avec des joueurs que nous avons, nous, alors je pense qu'il faudra arrêter de faire la compétition, monsieur. Excusez-moi de vous parler aussi de si direct, mais je veux pas avoir ce qu'on appelle cet esprit défaitiste qu'on doit avoir. On ne peut pas avoir ça. On doit arriver à être confiant de nos joueurs. Si vous commencez, disons, à avoir peur de vos adversaires, donc je pense que vous allez passer plus de temps à avoir peur d'eux que de pouvoir vous concentrer sur votre sujet. Nous avons une équipe, nous avons des joueurs qui vont à l'interclub très loin. Des joueurs qui, quand ils se sont transférés, ils brillent comme Meschack, comme Bemba, comme Silas. C'est des joueurs comme ça que nous avons. Alors pourquoi voulez-vous qu'on ait peur des joueurs qui sont en train de briller aussi ailleurs? Partout, nous avons des joueurs qui brillent. Partout. Nous venons de faire 2-2 là ici avec V-Club, avec un grand club. Nous avons fait 2-2. Donc on n'a pas eu peur, on n'a pas eu de complexe à ce niveau-là. Ça doit être le caractère que nous devons tous avoir, des conquérants. On va pour jouer au football, on va pour avoir des résultats. Je pense que si je m'appuie, moi je m'appuie sur des exemples de joueurs d'interclubs, comme DCMP, hein, comme Lupopo, des joueurs, des équipes comme ça, qui font plaisir à voir et que, dont les éléments sont disons, à mettre en évidence. Donc avec des éléments qui jouent dans les clubs, chez nous, à l'interclub aussi, on ne doit pas avoir des complexes à ce niveau-là. À ce niveau-là, donc voilà, nous avons des joueurs comme Meschack, Tisserand, comme Chancel Mbemba, Kiasumba, Issama, Bopé, des joueurs qui sont en train de briller, Mouleka, hein? Nous avons des joueurs comme ça, Kakuta, tous ces joueurs-là, vous pensez qu'on doit aller à la guerre avec des complexes, avec des joueurs de tel niveau? Non, non, non. Si eux, ce qu'ils font chez eux, c'est leur regard, et nous, ce que nous faisons chez nous regarde aussi. Nous avons une équipe, on va jouer, on va aller là pour prendre des points. Si on n'arrive pas à les prendre, ben, ce sera les meilleurs qui ont gagné. Mais alors où je vous parle, nous n'avons pas encore été battus. Alors, la deuxième question, c'est vous parler de Poutou, voilà. Vous savez, quand vous faites confiance à un homme, il vous le rend. Il vous le rend, et ça s'est vu. On a eu une discussion avec Mabi Trésor, et ça a donné ce que ça a donné les derniers matchs. Voilà. Donc, à la limite, ce monsieur, il veut absolument rendre service à son pays, et il va le faire. Moi, je vous ai dit, je pense, dans l'interview de la RTNC, les 25% qui resteraient de Trésor, il va les donner. Il va les donner. Alors, quand on parle de Mbokani, ce n'est pas maintenant que je le prends, c'est depuis un petit temps qu'on voudrait l'avoir. C'est depuis un petit temps qu'il vient, qu'il vient, qu'il vient, il vient pas. Aujourd'hui, il vient. Il veut venir. Il veut venir, il va venir. Donc, il veut, avec une décision, c'est de pouvoir avoir des résultats. Et il faut pas oublier que ce monsieur a toujours été meilleur buteur partout où il a été. Donc, il lui reste encore des choses à prouver et il va le faire. Il va le faire. C'est notre, entre guillemets, notre Abrahimovic, c'est tout. Ibrahimovic, plutôt. Oui. Bonjour. Voilà, donc vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une période de Covid et qu'on a eu, disons, si vous m'excuserez, qu'on a mis le temps à pouvoir, disons, publier cette liste. Parce que tout d'abord, il fallait qu'on soit certain aussi de ce qu'on allait faire, comme on devait savoir aussi ce qu'on devait faire. Et surtout, qu'on soit certain de ne pas être, disons, débordé par les absences. Voilà, ceci dit, donc je vais sans plus tarder donner un peu la liste des joueurs. Donc nous avons pris une liste de 31 joueurs, 4 gardiens qui sont Kassoumboa, Joël, Fayulu Timothy, Siadi Badjo, Kalambay, Ogi. En défense, nous avons comme poste Issama Peko, Chancel Mbemba, Inonga Baka, Glody Ngonda, Luinda Makris, Marcel Tisserand, Fabrice Nzakala, Djuma Chabani, Merveille Bopé, Luzolo Ndita. Alors en milieu de terrain, Kayembe Edo, Pangala Yannick, Mpoku Paul Jodé, Ngoma, Mumbere, Masasi, Mukoko Tonombe, Danda Djoubi et Poutou Mabi Trésor. En attaque, Elia Lina Mixak,
Botaka Jordan, Lileko, Malango Ben, Mokani, Muleka, Kazadi et Baloa Walter. Alors, j'ai fait une liste de réservistes, vous savez, pour ne pas être débordé par justement ce phénomène de Covid qui nous a joué des tours. Alors, en réserve, vous avez Moukoko Amale, Kimvidi, Dark, Mika Miché, Idumba, Beya, Kikwama, Ifaso et Arsène Zola. Voilà. Donc, je suis à votre Kazadi qui joue au Maroc. C'est bien ça, non? C'est celui-là. Ok. Francis, ouais. Alors, donc. Alors, vous me demandez comment on dit. La deuxième question, c'était la phase. Voilà, on commence. Nous allons débuter, donc on va recevoir les joueurs le 21, hein, officiellement. Et donc, on va travailler pendant 2 jours ici à Kinshasa, prendre l'avion le 23, un entraînement le 24 au Gabon et le 25 on jouera. On revient le même jour pour revenir donc travailler le 26, 27, 28 et 29, en espérant donc mettre la cerise sur le gâteau. Merci. Je suis au courant et j'ai eu Meshach hier au téléphone. Donc, il assure donc son arrivée. Il n'y aura donc pas de problème à ce niveau-là. Je ne sais pas quand est-ce que vous l'avez eu, vous. Moi, c'est hier. Moi, hier, 22h30, 23h. Ça vous va? Vous confirmez qu'il sera là? Je vous confirme qu'il sera là. Merci.